Si la société américaine a un orifice servant à respirer ou à chier, selon à qui vous vous adressez, c'est bien le Lower East Side de Manhattan. Nous l'appellerons la porte. Des gens nouveaux, aux idées nouvelles, entrent par cette porte depuis qu'il existe un Lower East Side. Ce fut toujours un endroit où les pauvres débarquaient et payaient des loyers abordables pour vivre dans des conditions déplorables. Le quartier a toujours attiré les agitateurs. Le Lower East Side était un vivier de radicaux trop près des centres de pouvoir. Dans les années 1970, face au spectre de la révolution qui hantait les rues de l'Amérique, le pouvoir chercha des moyens d'écraser les endroits comme le Lower East Side. Plus question d'y voir une porte ouverte pour des gens nouveaux aux idées nouvelles. Encore moins pour des gens pauvres aux idées nouvelles. Ils cherchaient à colmater toutes les brèches afin de transformer New York en forteresse pour riches, quitte à étouffer la société. Ils lancèrent une campagne de destruction des centres-villes, autorisant les propriétaires à incendier leurs logements à loyer modéré. Les casernes de pompiers furent fermées, tout comme les écoles, les banques et les hôpitaux. Le crime et le trafic de drogue prirent leur place. Le peuple uni n'avait été qu'un tigre de papier. Ils avaient raison sur un point. Les flics viendraient. Mais les squatteurs pouvaient compter sur un soutien monstre. Une nouvelle génération de révolutionnaires était née. Ils voulaient un ennemi sur qui jeter des briques. Et le quartier exploserait à nouveau. Partout où des gens de différentes conditions s'unissent pour défendre leurs droits, dès lors que des gens défient l'autorité sans s'en excuser, quand les gens tiennent tête à la police, cet endroit est Tompkins Square. Tompkins Square partout et pour toujours.